Hello, and in this report we will not only come back on a very nice and classical timepiece seen earlier this year by Parmigiani Fleurier, but also take this opportunity to talk about a very special decorative technique for which there is unfortunately only one man left performing this very specific craft or art. And to do so, we'll take you along to an extraordinary atelier in the middle of the Jura Mountain, a workshop from another age and dimension. Well, an incredible place. But before this, let's listen to Michel Parmigiani, founder of Parmigiani Fleurier, about his vision of style, the rules of nature applied to the design of his timepieces, and how this translates specifically in this Torre Chronometre. Alors la torique vient de l'architecture finalement, l'inspiration des colonnes comme les colonnes ioniques, les colonnes toriques. Vous avez des moulures qui représentent les gaudrons, si vous voulez, dans notre modèle de montre, avec de temps en temps un liseré. Ce liseré est représenté par le molletage qu'on effectue entre deux gaudrons dans la lunette de la montre. Il y a quelque part une certaine forme de style qui n'est pas née par hasard. Elle a été étudiée par rapport à ce que l'on trouve dans la nature, les rapports proportionnels et l'harmonie qu'on trouve dans la nature et l'architecture. Quand on pense à une feuille de nénuphar, elle a des courbes extraordinaires, mais c'est toutes des courbes issues du nombre d'or. Comme on a les courbes naturelles dans les anses, les cornes, c'est des portions de courbes, mais qui font partie d'une spirale complète. So let's now go over the special molletage craft and let's jump on our time traveling machine to meet Mr. Catin and his world of own incredible machines and unique know-how set in Le Noirmont. Alors le molletage, c'est un élément qui est issu de la décoration, qui est issu de la gravure, si on veut, mais c'est en fait une roulette qui vient imprimer dans la matière, elle vient fluer le métal, l'or en l'occurrence, elle vient faire fluer le métal de façon à ce que le petit crantage, à l'instar d'un chemin de fer, viennent prendre la forme de ce que la roulette lui impose. Et il faut une certaine force, il faut une certaine doigté pour pouvoir le faire. On ne peut pas faire ça avec n'importe quelle roulette, donc c'est adapté. La roulette est adaptée aussi par rapport au pas du molletage et par rapport aussi au diamètre de la lunette. C'est des outils qui sont pensés depuis des siècles. C'est des siècles d'intervention, de savoir-faire qui sont pratiqués quotidiennement, comme le souffleur de verre qui pratique à sa façon, le faiseur de cristal, le lapidaire. Donc il y a toute une méthodologie qui est issue de l'expérience profonde de nos ancêtres. Unfortunately, this is a perfect example of a craft for which if there aren't any people keeping it alive, well, it will simply disappear. Because even though it might have looked pretty simple, well, the dexterity of Mr. Catin just didn't come overnight. It represents years and years of practice and shared knowledge. And ultimately, it brings something different and unique to each of these watches. Because yes, I mean, it would be possible to program and use machines to do this, but the result would simply not be the same. And you know that we like to talk about poetry about watchmaking, right? Un molletage, il pourrait très bien se faire à la commande numérique, mais ça n'aura pas le même aspect. Je dirais presque trop parfait pour que ça soit beau. Mais c'est un tour de main. Et c'est ce type de tour de main qui est en voie de perdition. On est en train de perdre pas mal de tours de main dans le métier et dans les professions avoisinantes, apparentées, si vous voulez. Il faut être conscient qu'il n'y a pas toujours la relève. Heureusement qu'il y a des jeunes maintenant qui commencent à s'intéresser à ces métiers, mais ils ne font pas légion. You see, though Switzerland is a pretty small country, well, I'm sincerely fascinated to discover almost on a daily basis these incredible people and places I had never heard of before. So sharing their enthusiasm for what they do is a real privilege and a real driver to continue this exploration together of these multiple and ever surprising crafts, and this is gonna be cool. So all the best, see you real soon.